C'est pour nous dénoncer le commissaire gouvernement et par rapport avec une déclaration que Louko a fait, que nous-mêmes comme fanatiques fidèles Louko, fanatiques fidèles Matin Débat, nous dit comme on c'est candidat à la présidence qui passe et qui est le candidat pour député. Donc il faut qu'il veille tout ça la dit dans la radio. Il te font une négligence tout petit parce que l'adversaire politique lui utilisait le contre lui. Mais c'est pas raison ça. Pour nous quitter le commissaire gouvernement, à faire superstar sous Louko Désir. Matin Débat utile plus passer commissaire gouvernement. Mais nous, elle fait prendre job là, nous pensons qu'elle va agir sous paquet à négligeur. Nous pensons qu'elle va agir sous quoi des bouquets quand elle était commissaire gouvernement quoi des bouquets. Elle pas agir sous ça. C'est Louko Désir qui a fait un job noble dans Matin Débat. Esaïe César et avec administrateur. Donc nous aujourd'hui, commissaire gouvernement qui aime Louko Désir en dedans depuis plus passer 4 ans. Nous va kawé Louko, nous demandons au commissaire gouvernement pour libérer Louko Désir. Pas grand pile parler dans dossier ça. Louko, il va prendre Louko à sa manche longue. Il va prendre Louko à sa manche courte. Izo pas alors Louko pas dans base Izo. Louko pas dans base Tilapli. Louko pas dans base Belé. Nous demandons sous base ça pour libérer Louko Désir. C'est pas mon temps pour Louko Désir pour répondre une question. C'est Izo pour répondre une question. C'est Kempes qui pour répondre une question. C'est Tilapli pour répondre une question. Mais c'est pas Louko. Nous demandons matin là avant 30 minutes pour libérer Louko Désir. Et puis nous un commissaire gentil souvenir a ba nous pression, a dit ne pas parler, a dit si nous parlons en pile l'a fait arrêter nous. Nous venons rappeler commissaire gentil souvenir et ministre justice là et ministre prophète te rabourré dans système judiciaire pour voler pour être langue supérieure. Nous mais c'est pas lui même qui pourra dire qui s'amène dans pays là, mais c'est lui même qui pas rien dans pays parce qu'il était prendre dans voler. Nous dit à partir de jeudi là, commissaire gouvernement, si moi dans la croix là m'a fait l'arrêter pour tout bon parce qu'elle dit la arrêter me direct, la voie me pénitentiaire nationale. Depuis me saute dehors là n'importe ça crive même, c'est sous dos et gentil souvenir. Donc encore une fois dans dossier Louko, nous demandons commissaire gouvernement, nous demandons avocat, nous demandons juge pour libérer Louko Désir parce qu'il ne s'est pas fait rien qui méritait le mot. Merci beaucoup. Mais comment comprendre ça? Parce que ce n'est pas seulement Louko qui est sous panel là dans l'émission et que c'est celle-là-même qui a convoqué. Nous ne comprenons pas Louko. Ou bien c'est Louko qui a fait monter descendre dans le CPJ. Parce que c'est Louko qui cible là. C'est Louko qui leader là. Automatiquement, Louko dit le parle dans l'élection. Je garantis qu'on bonne nèg là, vote à bouillir. Parce que ce n'est qui a pile monde aujourd'hui dans les médias. Je ne compte sous douette. Combien de monde qui devant Louko dans les médias? C'est Louko qui a mené, c'est Louko lié, c'est Louko qui a mené de elle. Ouais, Matin Débat qui ça l'a fait, c'est avec Tigre Mounio la parlé. Ouais, Matin Débat qui ça l'a fait, c'est avec monde qui veuve, qui pas mari, qui pas madame, pour petit monde l'école. Si on va persécuter Louko là, je garantis, dans l'entrée de l'école ça là, Louko d'abord fait gros geste là, oui. Louko d'abord fait gros geste là. Donc nous demandons. Ce n'est pas parce que Louko a des gens qui ont persécuté. C'est les gens qui ont mis derrière tout ce travail pour travailler bien. Mais pour les gens qui ont marché derrière, c'est le problème candidat à la présidence. Automatiquement, moi et Jean-Charles, Louko Désir prend l'élection, il y a un bon nègre qui a cacaré la prière. C'est ça qui fait persécuter Louko Désir. Donc, j'en parle là, Louko prend le candidat président. Louko prend le candidat. Il n'est pas caché, bon, il est caché. Louko, c'est un candidat à la présidence, il est clair. Mais étant donné qu'il est allé dans l'élection la première fois déjà, et il a fait face à quoi? Est-ce que nous pensons que là, cette fois-ci, nous allons répondre? Mais ça va aller. Louko a testé la popularité. Okay? Mais là, Louko a fini de tester la popularité. Automatiquement, après 5 ans, après 7 ans, Louko paraît pour aller dans n'importe quelle élection qui a fait là. Comme vous voulez. Vous avez un bon bloc souterrain là. Ou Moïse qui a fait un monde. À partir de ça, il fait au cap là. Il n'a pas barré le gouvernement. Eh bien, Louko, c'est Green Negla qui prend l'élection là, qui a un pile problème dans le pays. Si on va faire gang gaz élection en amel. Mais les clans sociaux ont provoqué le boulier. Rappelez-nous, non? Même c'est Jean-Pierre Makenlo, ingénieur civil. Nous, on va aller au commissaire. Nous, on va aller au commissaire. Qui ça me volait? Alma! Qui ça me volait? Qui ça me demandait? Qui ça me demandait? Ça me volait? Et ça me demande qui ça me volait. Oui, monsieur, moi. Et ça me demande. Toujours qui ça me volait. Vous nous bagarre là, on va suivre qui ça me demande. Et ça me volait. Moi, qui ça me demande. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas un homme, je ne suis pas un homme, je ne suis pas un gang.
Moi là comme commissaire du gouvernement, on va pas dire ça, on va pas dire comme ça, monsieur, c'est mon respect. Ok. Monsieur journaliste, Il dit que c'est le commissaire gouvernement qui a arrêté parce qu'il n'a pas fait de travail, mais il a tiré au bafon. Il dit, monsieur, nous sommes journalistes tant que nous tellement comprenons Kaloukoua, nous avons fuite en avant, ou bien qu'il n'y a pas de façon. Donc, mais nous sommes journalistes, commissaire de façon, là, monsieur. Et de fait, nous sommes rentrés paisiblement. Nous copions presque pas de l'entrée. Elle me dit, monsieur journaliste, nous sommes frères. Retentons nous pour les sorties et puis nous copions nos déplacements. Monsieur Voué, monsieur Pédé, donc bonne bonne dans la cour. Elle me dit, monsieur, l'on dans la cour, parce que si on est dans la cour, dans la rue, c'est là où on finit. Monsieur Retel dit, m'a parlé que Pierre Espérance t'a fait rapport sur un RNDDH. Pierre Espérance dit que je aurais reçu de l'argent pour me faire une tentative de libération. Que m'bat dans système qui m'bat dans système là je mettez me dans système là nous bien monsieur pour outrage à magistrat outrage à magistrat très bien un espérance produit un rapport sous gentil souvenir qui était extrait de prévenu pour mettre juste les gens nous devons le juge Vincent vient tendre sans contrainte fin quitter juge attendre on tourner en prison bien c'est mon ça contact passé les relater bêtises et des sottises qui a lancé avec l'expérience. Moi-même, je suis politologue, je suis avocat. Dans des places de commissaire du gouvernement, nous sommes journalistes. Rôle moi, c'est protéger tous les journalistes qui viennent là. D'accord? Rôle moi. Parce que son frère, commissaire du gouvernement, son passage m'a fait. Je vais payer mon copain qui est capable. D'accord? Pas la palais pour nous protéger ou arrêter. Jamais! Jamais!
devant tout journaliste qui prend, monsieur fait outrage, il dit un bagage qui est vrai. Qui ça, monsieur? Monsieur a été dit que pendant la parole, il a dit commissaire gouvernement pas droit, invitez nous comme parole libre. Monsieur, pour parole libre, après dit encore, moi dis monsieur. Tout le monde doit dire. Tout le monde doit dire, tout le monde doit dire. Pas foutre dans la route, je ne dis pas. Moi je vais dire fini. Ok? Moi dis monsieur, nous quand rentrer, le commissaire a toujours invité n'importe quel nom, mais de façon que l'apprend des gens, nous qu'on soit journaliste, le filet de la caille. Ok? On a mis ce parler beaucoup. Il n'est pas sorti. Il dit ce commissaire gouvernement vous a arrêté parce qu'il n'a pas fait de travail. Il dit monsieur, je n'ai pas qu'à. Bon, façon, c'est une modération pour parler. Dites devant les journalistes là. Et puis, le monsieur parler, monsieur dit Pierre Espérance te fait déclaration sur moi. Pierre Espérance te dit que moi, j'aurais reçu de l'argent pour une tentative de libération de mes dehors dans le système. C'est un outrage à magistrat. Il y a bien monsieur Mbale, le juge de paix, constaté pour la chercher Pierre Espérance, vient sous le sol. Parce que si Pierre Espérance dit, non, si monsieur a une preuve que Pierre Espérance te dit un bagage, ni même Pierre Espérance a un tribunal là pour nous soutenir. Est-ce qu'il y a un problème public? Hein? Est-ce qu'il y a un problème sur cette public? Oui, il était public, mais il était faux parce que je me suis dit que le tribunal n'est pas venu. Mais est-ce que tu es au courant que pour vous avez voté Baïgoué? Par rapport avec ça, où dit monsieur Adia, est-ce que tu es au courant que Pierre Espérance te dit Baïgoué? Est-ce que tu es au courant de dire? Il fallait reposer cette question à monsieur pour le venir avec Pierre Espérance. Non, mais s'il dit, c'est pas parce qu'il est public. C'est pas parce qu'aux journalistes sont des balles sous, c'est ça. Attention. Magistrat. Je ne peux pas venir, je ne peux pas venir, je ne peux pas venir, je ne peux pas venir. Magistrat. D'accord?